I'm feeling myself. I want some hood girls looking back at it and a good girl in my tax bracket. Got a Yo yo mes francophones, c'est Ramous et je fais cette vidéo ce soir parce que je pense que l'entièreté du peuple français a besoin. I don't want to see your bodies on Instagram. I want to. Bordel ce matin, c'est le bordel. C'est bon, j'ai réussi à avoir des antibiotiques. Heureusement que j'ai des amis. C'est... Et là, quand j'arrive au larme avec l'angine, c'est que ça y est, je suis installée. À ce stade-là, j'assume tout ma tête. Tout. Mon Dieu! Elle m'a pas dit cette poufiasse qu'on allait être confinés. Mon Dieu, comment on va faire? En plus, on n'a même pas encore mangé. Elle m'a dit que ça allait plus arriver. Mon Dieu, oulala. Mon Dieu, Mayday. Mon Dieu, Mimine, détresse. Détresse, Mimine. Ouh, mon Dieu, c'est quoi ça? Regardez, mon corps, il est tout skinny, regardez. J'ai mis un petit point, j'en profite du coup pour faire cette petite vidéo, parce que ça fait vous faire de la pub pour une production qui se fout clairement de ma gueule. Voilà, on avait envie de retenter l'expérience. Au final, donc on a mis... Donc comme je disais, j'en ai dit, parce que chaque épisode, il y aura annoncé. Donc au bout de... Je m'étale pas trop dans ma story prochainement avec Veracos pour pouvoir dire certaines choses et bien expliquer les choses. Petit résumé. J'étais en couple avec quelqu'un depuis un mois et que ça se passait déjà. Voilà, on se prend des avertissements aussi en production parce que, voilà, on est honnête. Pardon, désolé. Donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est que moi, déjà, ça m'est mal. Donc déjà, j'ai compris qu'ils avaient prévu à être moi, en fait. Donc à partir de là, c'est pour ça qu'on me fait venir. Enfin, parce que, donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Ça racontait pas l'histoire. Il faut savoir que moi, on est venu me voir et qu'on m'a dit « Raouel, il faut te calmer, on te voit beaucoup crier. » Moi, j'ai plus envie de me taire. Si vous voulez que je me calme, j'ai pas à supporter des personnes avec... Parce qu'à la base, c'est ça qui m'a motivé à venir. Hein. Le salaire, clairement, on va être honnête, on va parler français. Parce que moi, clairement, qui m'harcèle pour venir quand... On se lève le lendemain de cette réunion-là. Ce tournage, il était très tendu. Hein. Franchement, bref, en sachant qu'il y a des personnes que j'ai quand même... Il y en a qui préfèrent pistonner des gens malsains et faux. Et oui, c'est ça qu'ils veulent montrer comme exemple à la télé, bien sûr. Alors que pour nous boycotter, ma soeur et moi, d'accord, pour qu'on parte, d'accord, pour laisser la place à d'autres. Parce que déjà, ils disaient, est-ce que je dois subir tout ça pour de l'argent ou est-ce que... Je rentre chez... Oui, non, parce qu'il faut savoir que pourquoi aussi j'étais à bout, parce que avant de prendre mon vol, que je n'avais même pas raté encore, ça je vous passe les détails, mais ça c'est, voilà, pour vous dire, ils m'ont fait bien péter un câble, d'accord. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée en tournage quand même le lendemain, ça veut dire sous pression, et j'ai enchaîné, et pas de stress, d'angoisse, et au final, voilà, je pétais des crises de nerfs parce que je n'arrivais. J'ai besoin d'un espace où je peux, voilà, où ils étaient mécontents et j'étais. Et c'est des gens avec qui j'ai des conflits depuis averti. Et quand j'étais là-bas, j'ai averti aussi. Donc au final, parce qu'au bout d'un moment, quand il y a de la provocation et qu'il y en a couche tard, où je vais péter un câble. C'est, voilà, j'ai dit je vais péter un câble et là je vais. D'accord, qui ont été violents, qu'on n'a pas viré. D'accord, donc je. Tout ça pour pas donner une. À un moment donné, le bien-être, les amis, je vous la santé, le bien-être avant l'argent. Rien de rester parce que c'est eux qui te mettent dans cet état-là au final, alors que chez toi, t'es tranquille, t'es peace. Et voilà. Ils ont remarqué que je m'étais isolée des réseaux pendant longtemps. Voilà, faut savoir que à cause d'eux, j'ai fait une dépression, mais ultra mauvaise, d'accord. Et au final, ça. Donc au bout d'un moment, voilà, c'est ça qu'on subit aussi et que voilà, on dénonce pas.
vais m'arrêter là parce que sinon je vais trop en dire des choses. Mais bon, en tout cas, sachez que je vais bien aujourd'hui et que voilà. Et, voilà, quand je m'enfonce dans un mood qui est sombre, qui est négatif, que j'ai pris mes jambes à mon cou et que voilà, j'ai pris une décision pour mon bien-être et ma santé. Donc voilà, d'un moment, ce n'est pas être faible. Bref, voilà, c'était tout pour prochainement. Donc voilà, des bisous. C'est bon, j'ai réussi à avoir des antibiotiques. Heureusement que j'ai des amis, c'est vraiment lourd. Genre, ils ont trop pensé à... Enfin, ils sont venus à ma rescousse. Et là, voilà quoi, je vais me soigner. Parce que je vous avoue, les médicaments que je prenais, c'était inutile.